Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Wonder Boy. Comme promis, on revient sur Wonder Boy parce que Bioshock, eh ben, il fait de la merde. Et comme promis, j'ai farmé des pièces. Regardez-moi ça, 1563 pièces d'or. Bon, par contre, il va falloir que je me remette dans le bain. Ok, déjà une vie perdue à la con. Bon, rendez-moi mon... Bon, toi... Tu fais chier. Give me my money. I'm Mr. Money in Bank. J'ai une popo. Et... Mickey. Bon, je m'en fous, en fait. Barrez-vous les crapauds! Et toi par contre. Allez, on se casse, parce qu'on en a rien à foutre. Les crapauds ils me suivent là. Juste meurs. Toi aussi, juste meurs. Mourez. Dommage, j'avais toute ma vie. Mais je me souviens plus, voilà, c'est comme ça qu'on fait, bon c'est pas grave. C'est bien plus beau quand c'est grand avec des graphismes. De l'argent. Tu me feras pas tomber dans la lave, espèce de con. C'est les squelettes qui le feront. Putain, mais... Je sais pas timer mes sauts, hein. Non! Putain! Non! Vite, casse-toi! Barrez-vous! Tu n'es pas spoopy! Oh fucking shit! Prends ça! Espèce de pourriture communiste! On s'en fout. On s'en fout. Tiens, bouffe de la tornade. Un trésor. De l'or. De la foudre. 1995. Et si j'ai bien compris... Il est où? Attendez. C'est quoi que j'ai eu? Pyro 1, plus 30 défense, plus spécial. Ce qui m'a fait directement porter l'armure. Résistance à la lave. Donc. Oui!
Je mange, j'aille. Il faut pas que je meure, sinon je retourne au début. Il me faudrait une assurance santé. De l'argent. Quoi? Ah, mais c'est nouveau ça! Pourquoi? Pourquoi je meurs? Pitié, dites-moi que j'ai gardé le bouclier. Mais je suis pas perdu! Monsieur, oh le cochon, qu'est-ce que tu dis? Si tu veux pas que ton atelier finisse, enfile ton armure de dragon. Oui, mais l'armure de dragon, est-ce que je l'ai maintenant? Oui, je l'ai. Voilà, mais il me faut... comment? Et j'en suis persuadé, quelque chose qui est au bout de ce chemin. L'armure de dragon, maintenant, je l'ai. Maintenant, je peux passer avec ma popo. C'est bien ça. Mais j'ai plus rien! J'ai qu'un tir. Tiens, aïe non! On va remettre la musique. Bon, vous me faites chier, vous les crapauds. Barrez-vous. Bon, je perds de la vie, c'est pas grave, on fonce. Arrêtez de me bourrer. Merde. Vous me faites chier. Vous allez mourir comme des caca. Prends ça, pourriture communiste. YOLO YOLI, je n'ai pas chaud les pieds. Mais casse... Ouais c'est ça, essaie de te barrer dans la putain de squelette qui me... Tiens. Bon, au moins... Hein, au moins... Allez, viens. Viens qu'on rigole. On se marre. Donc si j'ai l'armure du dragon et qu'il faut que j'aille au bout du chemin, c'est qu'il va y avoir quelque chose au bout. Mais regardez-moi ça, la tête qui me... Qui m'enjaille. Bon, j'ai compris. Foutez-moi la paix maintenant. Ah, mais le bouclier qui fonctionne pas quand le mec il te bourre quoi. Filez-moi au moins des potions. Et toi, t'as décidé quoi? C'est intéressant. Oh putain, et c'est fini. Ah ouais, d'accord. Donc même si j'étais arrivé à choper l'armure du dragon et à venir jusqu'ici,
J'aurais rien pu faire. Ok, donc. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de redevenir un dragon. Ah, je viens de comprendre. C'est une porte qui me retransforme. Et donc, je suppose que ça va être mes deux transformations en plus. Un lion et un piaf. Ok, moi je préférerais sans doute être le lion. Parce que miaou. Donc il me faut la souris Mortimer. Pour choper le trésor. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un pouvoir? L'anneau du tonnerre. Je peux savoir ce qu'il... J'ai une clé. Dans l'anneau du tonnerre. On va tout de même redevenir Mr. Fishy Fish, parce que pour rappel, j'avais un endroit où il fallait aller sur l'eau. Ok, maintenant on peut bourrer les briques pour se faire du fric. Tony! Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Enfin, quelqu'un de ma taille en ce moment, c'est le bazar ici. Le plus fait. Sous l'océan, Piranha Man, il y va, mais faut qu'on lui trouve un nom. Je l'appellerai bien Sébastien, mais vous diriez que c'est raciste. Parce que tous les poissons ne s'appellent pas forcément Sébastien. Faut appeler Polochon non plus. Mortimer, ça tenait une source parce que voilà, Mortimer la souris. Et là, je vous allais dire, mais je comprends pas, Mortimer la quoi? Ça existe pas, Mortimer la souris. Ben si, sachez-le, ça existe. Et il n'apparaît que dans les niveaux sous-marins. Alors, on va l'appeler. Je sais pas. Si vous avez des suggestions dans les commentaires, dites-le, hein, si vous voulez l'appeler l'homme piranha comme quelque chose. Et peut-être aussi trouver un nom pour le dragon, du coup. Darby, peut-être le dragon. Darby le dragon. Et Mortimer la souris. Ça ressemble à quoi? Ouais, c'est tout ça. On s'enjaille tout de suite moins sur l'ancienne version. Mais pour l'époque, sachez que ça, c'était le must, hein. On a récupéré toute notre vie, là, c'est déjà bien, mais bon, maintenant, les ananas. Dans la mer, je croyais que c'était que dans Bob l'éponge. Hein. I am a fish! Fish, fish, I am a fish. Bip, bip, I am a fish. Fish, fish, I am a fish. Bip, bip, I am a fish. D'habitude, toujours chercher les bonus.
Ouh, hello nurse. Non merci, ça va. Et il y avait effectivement un bateau dans l'ancienne version. Ça, c'est bien. Il garde le... Et du coup, est-ce que je peux... Oui ! Oh ! Il va falloir être prudent, du coup. Mourez, bande de caca. C'est hanté. Donnez-moi de l'argent plutôt que d'essayer de me faire peur. Beaucoup d'encre dans ce vaisseau. Et ça ressemblait à ça l'épave dans la version. Bon, ça ressemble quand même beaucoup au design, et ça on peut leur donner ça, ils ont quand même fait un gros effort pour que ça, pour que si quelqu'un rejoue au jeu après avoir déjà joué au jeu original, ça reste cohérent. Donc tu peux avoir joué au premier jeu et jouer au second en disant oui, tout à fait. What the fuck, je peux même pas sauter dessus. Bon, c'est pas grave, on fonce. Toi, tu t'enjailles. Tu vas me tuer. Bon, il m'a tué. On peut pas jouer avec ces gens-là. Hein. Je me demande si c'est l'épave que je dois vraiment atteindre, si c'est là qu'elle bosse, ou si c'est genre juste un petit niveau auxiliaire. Bon, en tout cas, ça faisait plaisir de revenir sur Wonderboy. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas, les poissons, faut lui donner un nom. Dans les commentaires, allez-y. Évidemment, normalement, j'aurais déjà peut-être même fini le let's play avant que vous ayez le temps de donner un nom au poisson. Mais bon, au moins, on aura nommé le poisson. Ah, bah... Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Vanda! Vanda l'homme poisson. Et pourquoi? Parce qu'un poisson nommé Vanda. C'est logique. Mais si, c'est logique. Mais si, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes trop jeune, mais c'est logique. Alors, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. A plus.